coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui 27 mai. Ce matin, nous sommes partis du cercle polaire où nous avons passé la nuit pour aller aux îles Lofoten. Donc on s'est mis en route ce matin, direction Baudeux. On a pris la réservation pour demain. On s'est trouvé un petit endroit là en pleine forêt pour y passer la nuit. Donc ça fait une journée off aujourd'hui, sans rouler, sans trop rouler, sans voilà, et ça fait du bien. Donc on se retrouve demain dans le ferry. Aux îles Lofoten, le jour polaire se produit environ du 25 mai au 17 juillet. Le village de A, qui se prononce O en fait, est un village-musée qui regroupe 14 bâtiments datant du 19e siècle. La pêche de la morue constitue encore l'activité principale des îles Lofoten. Chaque hiver, on sale et on sèche à l'air libre d'énormes quantités de poissons. Les têtes de morue séchées sont vendues au Nigeria où elles sont incorporées au plat national. L'archipel se caractérise par des montagnes ainsi que des baies bien protégées. Les îles Lofoten se situent entre la mer de Norvège et le Vestfjord, un bras de mer très poissonneux.
En Norvège, le poisson séché est dégusté en fines lamelles en guise de snack. Il est également exporté, principalement en Italie et au Portugal. Nous avons parcouru cet archipel des Lofoten d'ouest en est. Nous en gardons un des meilleurs souvenirs de la Norvège.